Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de mon colis Makeup Revolution. Oui, j'ai craqué sur le site Revolution Beauty parce qu'il y avait l'offre du Mystery Bag. Donc, quand vous achetez pour 35 euros, je crois que vous avez directement dans votre panier le Mystery Bag. Il y est assez régulièrement, d'ailleurs là quasi deux fois de suite, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Je vous mets ma dernière vidéo, justement, craquage chez Makeup Revolution et Mystery Bag, où il y avait un petit souci, mais cette fois-ci il est là, il est là, ils l'ont pas oublié dans mon colis, donc j'en suis ravie. Je vous la mettrai dans le petit ici. Pour information, avant de débuter cet unboxing sur mes lèvres, je porte le nouveau Giorgio Armani que j'ai reçu aussi dans une prescription là, vous en avez parlé aussi dans une vidéo que je vous mettrai ici aussi si ça vous dit. C'est les nouveaux Lip Magnet en couleur magnétique 510. Honnêtement, la couleur est juste magnifique. Il est hyper facile d'application. Je vous mettrai une annotation pour la tenue parce que ça, j'en sais rien. Packaging trop mignon. Ils sont tout petits à glisser dans le sac à main. Je trouve que c'est parfait. D'ailleurs, je pense qu'il va aller dans mon sac à main parce que c'est genre la couleur que j'aime beaucoup mettre au naturel quand j'ai envie de mettre un truc rapidement comme ça en voiture. Donc, je trouve ça trop trop sympa. Je voulais vous faire la petite parenthèse. On va tout de suite ouvrir le glam bag parce que pourquoi je dis glam bag? N'importe quoi. Le mystery bag parce que je suis trop pressée de savoir ce qu'il y a dedans. Et après, je vous montre mes petits achats sur le site Makeup Revolution, enfin Revolution Beauty. Donc comme d'habitude, ça se présente comme ça, c'est un petit bac que vous ouvrez, voilà, vous n'avez pas du tout, vous en avez logiquement pour une valeur aussi de 35 euros, je crois à peu près, et vous avez des palettes, des choses comme ça, des choses de la marque, alors vous pouvez avoir des doublons si vous avez beaucoup de produits Makeup Revolution, mais ce n'est pas mon cas, donc c'est pour ça que j'ai craqué. On voit qu'il y a pas mal de petites palettes. Il y a pas mal de petites choses à voir. Oh là là, trop bien. Donc on a un lip lava. Ça c'est les anciens qui ressemblaient un peu au melted de chez Too Faced, je crois, si je me trompe pas. C'est un violet comme ça. Je sais plus du tout si j'ai déjà testé ou pas. Je sais que j'avais quelques produits Makeup Revolution mais que j'ai revendu. Est-ce que j'avais celui-ci? En tout cas, le genre de couleur que j'aime bien porter aussi, un peu violine comme ça, ça peut être plutôt cool. Donc ça j'aime bien. Et puis si j'utilise pas, mais je mettrai dans un concours sans problème. Donc ça je trouve ça cool aussi, les petites box comme ça. On a une palette comme ça, Mermaid Earth. Donc un peu style sirène, hein, comme vous pouvez le constater. Ah, elles sont plutôt pas mal les couleurs. Écoutez, c'est un peu dans ce que j'ai envie de mettre en ce moment. C'est hyper satiné, ça a l'air crémeux. J'ai pas envie de mettre... si, on va mettre un peu ses doigts dedans quand même. On va swatcher deux couleurs pour voir. Vous allez voir d'ailleurs que là dans mes... Waouh, ça a l'air pas mal pigmenté. Hein. Ça a l'air poudreux, mais ultra pigmenté. Ultra poudreux, mais ultra pigmenté. C'est pas mal parce qu'il y a des couleurs un peu peps comme ça, comme les verts, les bleus, et en même temps des couleurs un peu nude pour tout ce qui est un peu marronné, jaune, beige, donc pas mal. Écoutez, ma foi, pourquoi pas. On a une palette comme celle-ci. Alors, c'est trop marrant le packaging. Parental Advisory Explicit Content. C'est trop rigolo. Vous savez, c'est les packaging comme ça. Là. Oh là là, regardez. Non, mais c'est dingue hein, ce qu'ils font en make-up. Makeup Revolution, c'est assez dingue. Et à l'intérieur, ça a l'air d'être une palette un peu comme ça, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Je sais pas si je vais ouvrir cette palette-là. Bon, on va l'ouvrir juste pour voir, mais je sais pas si je vais l'utiliser parce que quand il y a trop, trop de couleurs comme ça, je sais que... Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Bon, en tout cas, le packaging est très sympa, je trouve, très qualitatif. Et voilà, c'est le genre de palette que je vais peut-être pas utiliser, donc ça, je vous la glisserai peut-être dans un concours ou quelque chose comme ça. Parce que quand il y a trop de couleurs comme ça et qu'ils sont assez proches, même s'il y a les petits bleus ici qui peps, c'est pas ce que je vais sortir au quotidien. Mais je la trouve plutôt, plutôt sympa comme palette. Je trouve ça original qu'ils aient mis ça là-dedans. Et puis quand même, vous en avez pour votre argent. Donc c'est plutôt sympa. Bon après, pour celles qui aiment ce genre de palette-là. Et pour finir, on a un trio comme ça d'éponges. Alors ça, je suis pas fan. Je suis moyennement conquise par ce glam bag, ce mystery bag. C'est, vous savez, les espèces d'éponges en silicone comme ça. Je suis pas sûre d'utiliser. Pourquoi pas tester, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Soi-disant, ça donne plus de flawless, de glow au teint. Je suis pas convaincue, mais bon, pourquoi pas tester. Comme je vous ai dit, je vous ai promis une vidéo crash test. Donc,
je vais la faire prochainement, je l'espère. Mais je suis ravie quand même pour cette petite palette là. Mitigée pour ce petit mystery bag. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu la même chose que moi dans votre mystery bag, si vous avez eu des choses plus sympas. Il y a une nouvelle palette qui vient de sortir là d'ailleurs, qui a l'air pas mal du tout hein, sur Makeup Revolution, mais bon. Comme d'habitude, on a sa petite facture comme ça, tout est bien emballé comme ça, donc ça c'est plutôt bien, ils sont plutôt sympas au niveau des emballages, c'est très bien. J'ai commandé plein de petites choses, mais il y avait une palette qui me faisait envie, donc j'ai craqué pour ça. Ma copine Ella de la chaîne Ella Rayon Soleil m'avait offert dans notre swap vite placard ce petit concealer là en teinte C6 je crois si je ne me trompe pas. Du coup j'ai repris le même parce qu'il était bien à ma carnation et il est quasi fini donc je me le suis repris. Où est-ce qu'elle est la teinte? Donc c'est bien comme ça, je vais pas vous l'ouvrir, mais il a un gros embout, un peu style shape tape, mais il a tendance à sécher les zones. Si vous avez des zones sèches, honnêtement, il est pas recommandé, hein. Vraiment, je vous le conseille pas. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris le F7, donc une teinte au-dessus, mais je sais pas du tout si c'est ma couleur de peau. Le Conceal and Define, donc le fond de teint qui est soi-disant très couvrant. Pareil, il a un gros embout. Il m'a l'air un chouïa foncé. Oh, peut-être pas, on verra. Je vous le testerai aussi prochainement. Il a un grand bout, ça, je trouve ça trop pratique. Et puis, mais voilà, j'ai hâte de le tester du coup parce que je m'étais dit que j'allais me faire un petit combo. Et puis, j'en entends tellement parler. Donc, les packagings sont quand même très sympas. J'avais envie d'un bon crayon pour ma muqueuse couleur nude, donc j'en ai pris un. Alors est-ce qu'il est bon? J'en sais rien, mais en tout cas j'en ai pris un. C'est le Makeup, le Revolution Pro, et c'est la couleur nude. Hein. Donc voilà, j'en ai pris un, je le testerai aussi pour voir. J'ai été très déçue d'ailleurs du liner que j'ai acheté chez Makeup Revolution, vraiment tout pourri, hein, je vous le conseille pas. Le liner, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. Je sais pas si vous verrez, mais je l'ai swatché là, hein, le crayon, mais on voit rien, mais il a l'air plutôt pas mal, plutôt crémeux, donc ça c'est cool. Pour aller avec le fond de teint, j'ai pris un pinceau à fond de teint. Je crois que c'est celui dont ma copine Elodie, que ma copine Elodie conseille et elle adore. C'est un petit pinceau comme ça avec un petit réceptacle. C'est cruelty free d'ailleurs hein, si vous ne le savez pas. Et vous voyez, il a un petit trou en fait pour mettre votre fond de teint et après vous avez juste à étaler. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa pour tester. Il était en promo, il n'était pas très cher et comme Elodie en parle souvent, si c'est bien celui-ci, hein, Elodie confirme-moi si je ne me trompe pas. Mais du coup, ben voilà, j'ai craqué, je l'ai pris, je crois qu'il coûtait même pas 2 €. Hein. J'essaierai de vous remettre les prix de toute façon dans la vidéo ou les liens en barre d'infos si ça vous dit. Pour mes sourcils, j'en ai reçu un nouveau de chez Benefit dont je vous ai parlé dans mon weekly vlog, mais... Du coup, avant de recevoir ce bénéfice, je m'étais commandé celui-ci pour mes sourcils, donc en teinte medium brown. C'est un... Il est hyper fin comme ça, hyper mignon, vraiment plutôt stylé. Plutôt stylé au niveau du design et la couleur m'a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de le tester du coup parce que ça c'est toujours, toujours, toujours pratique. Si vous entendez quelques travaux, c'est mon mari qui est en train de faire des travaux en dessous, j'en suis désolée. J'essaierai de couper au maximum au montage. Et pour finir, il me reste 3 produits. D'ailleurs, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un like si vous voulez une vidéo totalement make-up blabla avec du Makeup Revolution. Je sais que ça vous intéressait, mais n'hésitez pas à me redire si c'est toujours d'actualité ou pas. J'ai craqué pour des lip toppers. Ils sont très très beaux au niveau des packaging. Oh, ça claque. C'est donc des toppers pour mettre par-dessus vos rouges à lèvres ou même juste comme ça. J'ai cru comprendre sur des vidéos de copinotes qu'ils étaient pas si mal que ça. J'ai trouvé les couleurs plutôt jolies. J'ai pris celle qui était dans les teintes un peu rosées et l'autre dorée. Il y en avait une aussi dans les argentées, mais j'ai pas pris. Donc j'ai pris le Lip Topper Luxurious et le Lip Topper Exquisite. Donc le Luxurious, c'est celui-là qui est un peu rosé. Oh, ils ont l'air vraiment très beaux. Pas trop collants, ma foi. J'ai hâte de tester du coup ça en... En plus sur mes rouges à lèvres. Alors bah c'est marrant parce que ça ne correspond absolument pas au packaging. Vous allez comprendre. Celui-ci qui a un packaging un peu rosé, et bah il est plutôt doré. Et celui-ci, donc le Exquisite qui a un packaging plutôt doré, il est un peu rosé. Non mais bravo quoi. Mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa. Je vais préférer je pense celui-là qui est un peu rosé, parce que pour mettre sur des rouges à lèvres un peu rose, ça peut être très cool. Donc ça j'ai hâte de tester et de vous en reparler encore une fois. Et puis pour finir, mon dernier craquage est celui qui était la base de ma commande. C'est la fameuse palette Tropical Carnaval Shadow Palette. Donc Tamie X Revolution. Et honnêtement je ne connais pas du tout si Tamie X est quelqu'un ou quoi hein. Je suis pas très douée pour ça. Je vous avoue qu'ils font tellement de collaborations, tout ça, Makeup Revolution, que je suis pas au taquet sur ça. Mais en tout cas, les couleurs de cette palette me donnaient envie, le packaging me donnait envie.
Donc je me suis lancée. Et alors, c'est vraiment le genre de palette que j'aurais jamais acheté en temps normal. Mais maintenant, de plus en plus, je me tourne vers ce genre de palette. Et pff, oh là là, elle a l'air trop trop belle. Déjà, les couleurs sont juste dingues. Si vous avez envie de varier un petit peu. En fait, j'en ai un petit peu marre du nude. J'aime beaucoup me maquiller en nude marronné, en nude rosé. Là, j'ai fait un peu dans les tons orangé et doré avec la Natasha Denona. Mais je vous avoue qu'aussi, j'ai envie un petit peu de doser. Vous voyez, par exemple, ce genre de rouge, le vert, le bleu, le violet comme ça, un peu pétant. J'ai envie de doser. J'aimerais bien d'ailleurs aussi vous faire une vidéo, un peu une semaine, un make-up par jour. Si un jour j'ai le temps, si j'ai envie de me lancer dans ça, mais avec plein de palettes différentes bien sûr, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir tous les jours un make-up différent. Et voilà. Je trouvais qu'elle était vraiment sympa pour oser un peu mettre plus de couleurs. En plus, il y a un noir quand même pour faire des. Enfin, pour le creux externe, etc. Bon, il n'y a pas forcément de beige clair pour faire la paupière mobile, mais j'en ai dans plein d'autres palettes, donc j'ai hâte. On va juste swatcher quand même quelques couleurs. Alors, la pigmentation est encore. Au rendez-vous, hein, je vous montre un petit peu. La pigmentation est au rendez-vous, pas aussi pigmentée que l'autre de tout à l'heure, mais moins, beaucoup beaucoup moins poudreuse. Donc c'est peut-être pour ça, mais ça a l'air quand même très sympa. J'ai hâte de me maquiller avec là. Je suis trop contente, c'est vraiment l'objet de ma commande. Voilà pour mes derniers craquages et Make-up Révolution. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, intéressé. Si ça vous a donné envie de craquer sur le site, ben, n'hésitez pas à me le dire, à me dire tout ça en commentaire. Vos derniers achats dans cette marque-là, si vous désirez une vidéo crash test ou pas. Voilà, j'ai hâte, comme d'habitude, de vous lire. Je vous fais d'énormes, énormes, énormes bisous. Je vous invite à vous abonner ici en cliquant sur ma petite tête et je vous fais des gros bisous. Salut!